Bonjour. Bonjour. Alors c'est Solidaires d'abord, grâce à Fréquence 7 qui nous permet de faire cette émission de quinzaine en quinzaine depuis si longtemps. Merci encore. Et alors la première chose, c'est qu'il faut que je vous parle de tous les sujets qu'on va aborder ce soir. On va parler des médias, on va parler de l'immigration, on va parler de la politique, on va parler de la COP28, et on va parler un petit peu de la laïcité, et peut-être on aura un petit bout de temps pour parler d'un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans l'année, grâce à toi Amélie. Hein, on va voir ça tout à l'heure. On va voir ça tout à l'heure. Mais avant, il faut que je vous souhaite bonne fête. J'ai du mal à dire bonne fête, voilà, parce qu'il y a un truc qui me reste en travers de la gorge, en fait. Je vous explique ça très, très sommairement. L'autre jour, j'étais sur les chaînes Jezap. Je vais voir toujours les infos pour essayer de faire une émission qui se tienne par rapport aux infos qu'on reçoit. Hein. Et donc, je vais voir les infos et je vois, on va fêter les illuminations des villes et on va primer la ville qui a les plus belles illuminations pour Noël, pour les fêtes, etc. Et je zappe et toc, je tombe sur Gaza en feu, bombardé, etc. Donc, je l'ai un petit peu en travers de la gorge. J'ai du mal à vous dire bonne fête. Enfin, j'espère. Je vous souhaite bonne fête quand même, bien sûr. Mieux possible. Alors, on aura une petite incrustation, on peut dire ça comme ça, sonore, qui nous vient d'Israël dans quelques minutes. Mais avant, on va parler avec Alain qu'on a au téléphone, parce que Alain se retrouve à avoir la Covid et il n'a pas pu venir à l'émission ce soir. Donc, je ne sais pas, tu l'as là ? On l'a en direct. Alain est là ? Oui, je suis bien là. Oui, tu es là. Voilà. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir à toi, Alain. Bonsoir, Alain. Content de t'entendre. Bon, t'as pas la voix trop chargée ? Non, je suis bien, en fait. Hein, on attend que les choses se passent et j'évite d'aller dans les lieux publics pour éviter de contaminer les uns et les autres. Voilà, ouais. Ça, tout simplement. T'es citoyen, toi ? Responsable ? Bon, écoute, j'essaye d'être un citoyen responsable, ouais. Mais bon, je maîtrise pas bien quand même tout ça. T'es peut-être un peu plus responsable que d'autres. Il y en a qui sont pas trop responsables. Hein. Il me semblait qu'on devait parler, entre autres, de Brun. Hein. On a un député local qui fait des trucs un peu bizarres avec Darmanin, non ? Alors avec Darmanin, oui, disons, écoute ce qui s'est passé, Darmanin a essayé de contacter. Ah, le coup de fil est un peu raté, là. Alors... Bon, on peut peut-être l'expliquer. Bon, je vais expliquer rapidement. Donc, le cabinet de Darmanin, c'est pas Darmanin lui-même, hein, mais c'est son cabinet qui a téléphoné à plusieurs députés pour arriver à obtenir le plus possible de députés dans son camp au moment du vote de la motion de rejet à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Pour son texte sur l'immigration. Sur l'immigration. Et entre autres, il téléphone à Brun et ils disent à Brun qui est l'air, hein. Donc ils sont sûrs de leur coup, et ils lui expliquent que il pourra avoir quelques gendarmes, même voir une gendarmerie en plus sur le territoire s'il s'est voté comme il faut. Voilà. Sauf qu'ils se sont gourés de Brun, c'était pas le bon Brun, c'était pas le Brun le nôtre, Fabrice, c'était Philippe Brun, qui est député socialiste, et qui en a fait tout un pataquès, évidemment, parce que... Et donc, on apprend au passage que, en plus, ils sont capables de faire ce genre de tractation, quoi. C'est-à-dire, je te donne ça, tu me donnes ça... Quand on se dit que les besoins des territoires sont garnis, qu'on répond aux besoins des territoires de cette façon-là, c'est un peu décourageant. Et donc, ça éclaire aussi certains votes qu'a fait donc notre Fabrice Brun depuis qu'il est député, c'est-à-dire quand même, ça fait plus de 6 ans, hein, je sais plus exactement s'il était de la mandature. Mandat. Voilà, il est au deuxième. Et il a voté dans la mandature précédente, il a voté à chaque fois pour la baisse des budgets de la sécurité sociale. Il a voté pour la baisse des budgets pour la santé. Oui. Et en nous expliquant que... ici, au local, il était là pour préserver l'hôpital d'Aubenas, évidemment. Voilà. Chercher l'erreur. Voilà. Donc, il y a des petites tractations, là, comme ça. On peut supposer que s'il vote bien, on pourra lui dire, on pourra lui agiter un petit peu le hocher devant le nez en lui disant « Oui, vous votez bien, et après, on vous donnera un petit quelque chose. Hein ». On vous donnera, mais est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Eh ben, on a l'impression que ça marche pas. Hein, est-ce que c'est suivi des faits ? Est-ce que tu es là, Alain ? Est-ce que tu es revenu ?
Non, il n'est pas encore revenu. Donc, il devait nous parler de l'immigration, entre autres. Et alors, je ne sais pas, je brode un tout petit peu le temps qu'on arrive à le rattraper. Mais je ne sais pas si on va arriver à l'attraper à nouveau. Ça serait dommage. Il avait travaillé Peut-être sur son sur le fixe. sujet. Sur son fixe. Non, mais là, Je vais pas répondre. il peut pas faire Bon, autrement. on ne peut pas Bon, faire tant autrement. pis. Alors, on va parler quand même. Il Bon, voulait parler de la loi immigration. je tombe sur son répondeur. Il essaie de me rappeler, mais il y a toujours pas de son. Ok, Il n'y a bon, pas de on va son. continuer. Donc, on va parler de l'immigration, puisqu'il voulait parler de l'immigration. Et donc, de cette loi immigration, justement, qui s'est votée, qui a été rejetée par cette motion de rejet. Ils n'ont pas pu nous mettre un 49-3, ce qui était sûrement un petit peu dans les cartons, parce que de toute façon, ils auraient eu du mal à avoir une majorité. Ben un 49-3, il faut que le texte arrive en plénière à l'Assemblée. Là, il n'est même pas rentré, Oui. puisqu'il y a eu la motion de rejet. Eh Donc oui, il y a voilà. eu la motion de Ouais. rejet qui a coupé court Qui a coupé au court. 49-3, parce qu'autrement on aurait eu le 49-3. C'est possible. Voilà. Et donc c'est vrai que ce gouvernement gouverne au 49-3 depuis un sacré moment. Alors cette loi immigration, c'est une catastrophe, parce que d'autre part, on a l'impression que tout est fait depuis un sacré moment pour nous expliquer que les ennemis du territoire, c'est ces gens qui travaillent chez nous, quoi. Tout à fait, Hein? ouais. Mais quand on regarde les chiffres, on se rend compte que c'est un fantasme, en On se fait. rend compte que là, il y a quand même quelque chose qui ne marche pas du tout. Tenez-vous bien. Donc, les chiffres, en gros, alors c'est vrai que c'est quand même catastrophique, je ne suis pas en train de dire que tout va bien, mais en gros, chaque année, il y a 25 morts à cause du terrorisme en France. Ce qui C'est est beaucoup. énorme. Voilà. 25 morts Et en c'est France terrible. chaque année. Mais il y a 150 femmes qui meurent de féminicide chaque année. Il y a 3 000 personnes qui meurent sur les routes chaque année à cause des accidents de la route. Il y a 700 accidents mortels du travail chaque année en France. Donc, quand on compare, et on voit bien qu'on nous fait monter une mayonnaise. L'autre jour, c'était simple. J'avais ma compagne qui passait à côté de moi, et à un moment, je zappe. Et au moment où je zappe, et ben, en fait, j'étais sur BFM et ils étaient en train de nous expliquer, comme d'habitude, que les jeunes, c'était anxiogène, que y avait des jeunes qui allaient attaquer des profs, que etc. Et tout. Elle a même pas eu besoin de se retourner. J'étais sur Arte juste un moment avant. Elle me dit, tiens, tu passes sur BFM? Oui. Voilà. Puis ce que je trouve particulièrement malsain, c'est de mettre dans la même phrase le mot terrorisme et le mot immigration, et de vouloir faire croire que le terrorisme, c'est l'immigration, alors que quand même, quand on regarde les ordres de grandeur du nombre de personnes qui rentrent en France ou qui vivent en France et qui viennent de l'étranger, et le nombre de terroristes, il faut quand même vraiment faire la part des choses et rester dans des choses réelles, en fait. Sortir du fantasme et rester dans des choses réelles. Alors Alain, ça y est, t'es là? Ben, ça y est, Ah. apparemment, oui, Bon, alors ça va j'ai mieux. dû revenir. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire? On a commencé à aborder, on a fini sur Brun, hein, et puis Oui. on a commencé à aborder le sujet sur l'immigration. Sur l'immigration. Alors, en Voilà. fait, l'immigration, j'ai travaillé un petit peu. Je suis allé voir, disons, les propos de François Héran, qui est un enseignant du Collège de France, hein, pour voir un petit peu, qui est vraiment un spécialiste en la matière, et il dit que l'immigration, en fait, ne préoccupe pas aujourd'hui, elle ne préoccupe pas vraiment les Français, puisqu'elle arrive en cinquième position, après le pouvoir d'achat, ô combien on les comprend, hein, parce que le pouvoir d'achat, c'est quand même quelque chose qui les concerne vraiment très directement. Après, il y a la sécurité, la santé, et là, on les comprend aussi, parce qu'en Ardèche, on est quand même dans un désert médical. On a parlé Et de Brun l'environnement. à ce sujet, entre autres. Ouais, Voilà. bien sûr. Donc, c'est la deuxième loi sur l'immigration sous Macron. Il y a énormément de lois, hein, on va voir. C'est la 30e loi depuis 1980 et c'est la 117e loi depuis 1945. Là, C'est-à-dire que ça c'est fou. signifie que c'est fou, oui. C'est fou. Il y a une loi et demie par an, tous les ans. Hein. C'est-à-dire l'espace médiatique, il est complètement saturé par cette question sur l'immigration dont les gens, pourtant, ne se préoccupent pas forcément. Si bien que les gens pensent qu'il y a à peu près 23% d'étrangers, alors qu'en fait, il n'y en a que 7,8. On dira 8 si on veut, mais enfin, il y a un différentiel de 15 points tellement qu'on nous parle et qu'on nous mélange au niveau des idées. Va Mais oui, expliquer ça à BFM, pardon. c'est bien d'avoir Alors, des ordres de grandeur pour penser sur des choses concrètes et réelles, et pas voilà. sur des fantasmes.
Voilà, là, on est dans les choses réelles, puisque, disons, François Héran, lui, il est là pour dire la réalité des choses. C'est un observateur, hein, il est là pour nous dire ce qui se passe aujourd'hui en France. Donc, il y a 7 millions d'immigrés qui vivent en France, 10,3% de la population. Sur ces 7 millions, il y a 2 500 000 qui ont acquis déjà la nationalité française, ce qui signifie qu'il y a 4 500 000 immigrés étrangers qui vivent en France. Ces gens ont aussi des enfants, donc il y a 800 000 personnes qui sont nées en France de nationalité étrangère, ce ouais. qui représente ces 7,8% de la population totale dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, il faut voir que ces gens-là, ils sont employés, c'est-à-dire que en fait, on a besoin de travailleurs pas chers. Donc, ils remplissent la case. Bien sûr, hein, je dirais que le capitalisme a été très heureux de les faire venir dans les années 60, 70, 80, 90 et encore aujourd'hui, beaucoup ont travaillé dans les travaux publics, dans la maçonnerie, beaucoup sur les chantiers, il y a eu énormément de gens qui venaient bien sûr de l'étranger. Mais il n'y a pas toujours une attractivité, disons, que l'on peut supposer. Hein. Par exemple, les Ukrainiens, il y a 20% d'Ukrainiens qui sont venus en Europe, mais il y a seulement 4% qui sont venus en France. Donc on croit toujours que la France, c'est vraiment le grand paradis aux yeux de tout le monde, alors qu'en fait, pas forcément. Mais, d'autre part, l'origine de ces gens, de ces immigrés, a beaucoup changé à l'intérieur du XXe siècle. Par exemple, au début du XXe siècle, il y avait beaucoup de gens qui venaient d'Italie, qui venaient d'Espagne, qui venaient du Portugal. Et puis maintenant, ce sont essentiellement des gens qui viennent du Maghreb pour ce qui est des travailleurs, mais aussi beaucoup d'Afrique. Maintenant, il y a des gens, beaucoup d'Africains. Beaucoup d'Afrique et d'Asie aussi. Hein, oui. Aussi, hein, en ville, on voit pas mal d'Asiatiques. Disons, ce qu'on peut regretter, c'est que les politiques nous parlent de l'immigration pour faire peur et pour créer de la colère. C'est ce qui a été, disons, observé. Hein. Les observateurs, les influents politiques savent que les émotions fortes créent des adhésions. Et les adhésions assurent un confort personnel aux politiques puisqu'elles lui donnent une assise et un rang social confortable qu'il se doit de garder pour garder sa profession politique. Et selon ça, on peut vraiment le regretter. C'est un cheval de Troie, C'est un cheval de Troie. Et voilà. Encore une fois, si on regarde la réalité des choses, nous, en France et en Europe, on est dans une population qui est vieillissante et on a besoin de ces gens qui viennent travailler ici. Et qui viennent remplir, répondre à un besoin. Ben, tout à fait. Économiquement, ce ne sont pas des assistés, hein. C'est des gens qui travaillent, qui cotisent, qui ont aussi une réalité économique, parce qu'ils consomment. Bien sûr. Mais écoute, en fait, tu te trompes, parce que il faut qu'on régularise les médecins. Tu vois, par exemple, qui viennent de ces pays, on régularise les médecins, on les pique en Afrique et au Maghreb, etc. Et on empêche les gens qui viennent d'Afrique et du Maghreb de venir se faire soigner en France. C'est-à-dire l'AME, hein, qui porte bien son nom, AME, on empêche qu'ils puissent avoir accès à cette aide médicale d'État après leur avoir piqué leur médecin. Et puis voilà, tout est bien, quoi, quand même, dans le capitalisme. Ah, ben oui. Nous, ce qu'on peut regretter en tous les cas, c'est qu'on n'ait pas de médecins. Ça, on peut le regretter. Alors, des médecins étrangers, je crois qu'il y en a quand même pas mal. Oui, je crois qu'ils sont en nombre plutôt dans nos services hospitaliers. Beaucoup. Et on est très heureux, d'ailleurs, de les avoir, parce que sinon, nous aurions qui, hein, puisque je crois qu'en Ardèche, sur deux Ardéchois, il y en a un qui n'a pas de médecin. Oui, tu sais, il y a un article qui est paru dans le Dauphiné Libéré le 8 décembre, là, justement, sur les déserts médicaux. Et donc, les chiffres en Ardèche, c'est 38% des Ardéchois qui auraient d'importantes difficultés pour avoir un rendez-vous avec un médecin généraliste. 82% des femmes qui ont des grandes difficultés pour trouver un gynécologue. 46% des habitants qui vivent dans un désert médical pour l'ophtalmologie. Et 63% des enfants qui n'auraient pas accès à un pédiatre. Et du coup, l'association UFC Que Choisir a décidé de porter plainte contre l'État pour espérer pouvoir ouvrir le dialogue sur ce sujet. Voilà.
On peut constater aujourd'hui qu'il est plus facile de faire soigner son chien, hein, de trouver un vétérinaire, que de se faire soigner les dents ou de trouver un médecin généraliste, hein, ou spécialiste encore plus. Mm. C'est un constat. Il ne faut pas soigner les animaux, mais disons. Mais... Ah, ouais. on est en train de te perdre à nouveau. Alors bon, ah. On va finir sur le sujet. C'est vrai que ce sujet immigration, qui était la porte d'entrée de ton coup de fil, il est aussi utilisé beaucoup comme en lien avec cette guerre qui se passe entre le Hamas et Israël. Et c'est vrai qu'ils ont instrumentalisé cette guerre là, hein, je trouve, depuis un peu plus de 2 mois. Ils nous racontent beaucoup, beaucoup, beaucoup de fadaises. Et par exemple, on a une illustration sonore de ce qui se dit en Israël, mais on va rentrer un petit peu dans le sujet aussi sur qu'est-ce que disent nos médias à nous, à proximité. Alors d'abord, on va entendre ce monsieur qui s'appelle Mourad Guichard et qui a rapporté ce que nous dit une présentatrice d'extrême droite israélienne. Nathalie Nagar, qui est une journaliste de D24 News, donc la chaîne d'extrême droite israélienne, et qui avait tenu des propos peu amènes vis-à-vis de la directrice de la Croix-Rouge, en l'invitant en la traitant d'antisémite, hein, ça c'est le grand classique, et puis surtout en l'invitant à venir en Israël, et elle a tenu donc des propos qui étaient de cet ordre-ci. Yana Spoliarich, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous avez déjà entendu son nom? Bah non. Forcément, et en Israël, on ne la connaît pas des masses. Elle est la présidente du comité international de la Croix-Rouge. Alors, vous pensez bien. Elle a pris des cours chez Jean-Luc Mélenchon, manifestement, en dénonçant, je cite, les souffrances intolérables de la population de Gaza. Alors, n'ayez d'inquiétude, Israéliens et Israéliennes, vous qui avez été par milliers tués, éventrés, violés, déportés, massacrés, brûlés au pot d'échappement, traumatisés, j'en passe, n'ayez pas d'inquiétude. Elle projette de venir en Israël dans les semaines à venir. Nous voilà rassurés. Parce qu'Israël, vous savez, Madame Mariana Spoliarich n'a pu compter que sur lui-même et les Juifs du monde entier depuis le début de cette guerre. Je n'oublie pas l'oncle Joe qui a donné de lui et de son pays. Oui, mais voilà, d'autres organisations humanitaires nous ont oubliés. Alors on a hâte de vous recevoir pour que l'État juif vous dise haut et fort qu'on n'a pas besoin de la fausse coopération de la Croix-Rouge et que le cirque de la libération des otages est la seule scène sur laquelle manifestement la Croix-Rouge excelle. Venez, vous serez reçus. Bien, on ne sait pas, et heureusement que ça ne dépend pas de moi, on demandera aux familles des otages de s'en occuper. Bon voilà, tout est dit, il me semble, et tout est dit d'une façon un peu exacerbée, mais je trouve qu'en France, on a un petit peu la même chose. D'ailleurs, au passage, on a un procès d'intention autour du nom de Mélenchon. Moi, je ne suis pas mélenchoniste. Je vais me lâcher, même, je vais dire, j'ai un peu des difficultés avec le bonhomme. Hein. Mais qu'on lui fasse un procès systématique, comme ça a été fait depuis un peu plus de 2 mois, à ce sujet, sur la guerre entre Hamas et Israël, c'est quelque chose vraiment de grave. C'est-à-dire qu'on a utilisé les médias pour comme argument politique. Hein, parce que maintenant, vraiment, les médias se retrouvent à ne plus être, comment dire, entre guillemets, libres. Ils sont militants ou partisans, comme nous dit ce Mourad Guichard, qui fait tout un article là-dessus qu'on va trouver dans le média, qui s'appelle « Militants ou partisans, dernière nouvelle des lèche-bottes de la Macronie ». Vous trouvez ça sur le média. Et il nous parle, entre autres, en vrac, de, par exemple, quelqu'un que t'aimes bien, El Krief, là, Apolline de Malherbe, Benjamin Duhamel, Léa Salamé, etc. Il nous brosse un tableau de tous ces gens-là en nous montrant à quel point ils ne sont absolument plus libres de parole, quelque part, parce que même, par exemple, on entend Benjamin Duhamel qui interview notre ministre de la Justice actuel et qui lui dit, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Tu vois, c'est pitoyable, quoi. Eh oui, il y a une proximité qui n'est pas normale. Ouais. Mais ce que je trouve terrible en ce moment, c'est que les journalistes qu'ils veuillent débattre. Déjà, moi, je trouve que ce n'est pas leur rôle. Ils sont là pour interviewer et pour permettre à l'invité de s'exprimer, pour qu'on puisse connaître la position de l'invité. Ce n'est pas la position du journaliste. Tu rêves, tu as entendu les questions, comment ils les posent. Voilà. Et puis, moi, ce que je trouve vraiment regrettable, c'est que ce soit...
que les jugements soient portés sur des informations qui sont fausses. Ouais. Là, ça, c'est grave parce que c'est de la diffamation. Mmh. Et pour l'instant, personne n'a réagi. Mais il y a certains journalistes qui mériteraient d'avoir des procès en diffamation parce qu'ils divulguent des informations fausses. Ouais. Mais en plus, ils posent une question. Maintenant, si tu veux, on invite quelqu'un de gauche et on lui pose des questions en lui faisant une leçon de droite. Et quand le mec répond à un truc en disant « non, je suis pas d'accord avec vous », il pose une autre question expliquant quelle est la stratégie de droite. Et le mec, il ne peut même plus développer, lui, ce qu'il veut répondre, puisque de toute façon, dès qu'il commence à répondre, on lui assène une nouvelle question. Ouais. C'est un monde complètement absurde. Et les questions ne sont pas du tout anodines. Bien sûr. Elles sont complètement... Je veux dire, c'est des questions qui, en même temps, sont des affirmations déguisées. Ouais. Voilà. Donc cette présentatrice guadeloupéenne qui a osé poser certaines questions à Bardella, donc là pour le coup quelqu'un qui faisait vraiment son boulot, elle s'est retrouvée virée parce que Bardella il y a des collusions entre la Macronie et le RN qui ont fait que la présentatrice en question s'est retrouvée virée. Voilà, chercher l'erreur quoi. On est dans un truc complètement fou. Et c'est grave, ça c'est surtout grave pour la démocratie. Ouais. Je pense que c'est très douloureux pour les gens qui subissent ce mitraillage médiatique, mais c'est surtout très grave pour la démocratie parce qu'on ne peut plus réfléchir si on n'a pas d'informations concrètes, basées sur des faits. Voilà. Alors, bon, on a beaucoup glosé. Normalement, tu avais deux sujets sur lesquels que tu voulais développer, un sur la COP28 et un sur le récapitulatif de l'année. Je ne sais pas ce que tu vas avoir le temps de développer. Excusez-moi. Allez, on part sur la COP28 et puis on verra bien. J'en profite quand même avant, parce que je ne sais pas si on aura le temps. Je voudrais dire un grand, grand merci, un grand coup de chapeau à Sylvain et à Quentin qu'on n'entend pas souvent, mais qui sont là toujours prêts à donner un coup de main. Et c'est grâce à eux aussi qu'on peut mener cette émission. Donc, comme c'est la dernière, je tenais à faire un petit coup de chapeau. Voilà. Super. Et puis, je m'y associe. Donc la COP28, rapidement, il y a trois éléments saillants qui sont ressortis de la COP. C'est la décision, l'accord des différents États quasiment anonyme pour sortir des énergies fossiles. Ce qui est étrange, c'est que ça y est, il a fallu 28 COP pour qu'ils comprennent que le pétrole et le gaz sont des énergies fossiles dont il faut sortir. Mais ça y est, ça a l'air d'être bon, là. Le deuxième point saillant, c'est que il faut remplacer donc ces énergies fossiles par des énergies propres, entre guillemets. Donc, dans les énergies propres, il y a le nucléaire, en fait, qui est considéré comme énergie propre. Ne vous étouffez pas. Qu'il faudra augmenter, multiplier par 3, multiplication par 3 des énergies renouvelables, travail sur l'efficacité énergétique et sur le captage du carbone. Et le troisième point saillant, c'était la création d'un fonds pour le climat destiné à financer les pertes et les dommages climatiques des pays les plus pauvres. Mais de tout ça, rien n'est contraignant. Oui. Voilà. Oui. Et rien n'est vraiment complètement acté. Ceci dit, Pouyanné était dans les valises de Macron là-bas à la COP. Ils nous ont expliqué, Macron entre autres, que le nucléaire allait remplir son office et que ce qui est un mensonge grave, parce que de toute façon, même avec la meilleure volonté du monde par rapport au nucléaire, ce qui n'est pas la mienne, on se retrouverait avec 5% seulement de l'énergie qui pourrait être assurée par le nucléaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'uranium, etc., pour assurer plus que ça. Et puis, d'autre part, les Émirats, quand même, achètent des territoires entiers au Nigeria, au Liberia. Jusqu'à 20% du territoire a été acheté pour planter des arbres, ce qui va justifier qu'on puisse continuer à extraire du pétrole. Voilà. Mmh. Bon, on y reviendra peut-être. On y reviendra. Allez, ciao, ciao, bon courage.